Hey, salut à tous, c'est Maïko Shonen. Alors, pour rappel, je sais pas, je sais toujours pas dans quel épisode on est, peut-être dans le 16, et si c'est dans le 16, c'est bien, parce que le premier SP sur The Stick of Truth s'est arrêté au 16ème épisode, donc ça veut dire que on a dépassé le premier SP, donc c'est bien. Bah, déjà on savait que ce jeu durait plus longtemps, mais bah, apparemment il dure vraiment plus longtemps, donc c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a juste un sac, apparemment. Masque, bandeau, ok, et là c'est quoi? C'est des... C'est du goût de Butters là, c'est ça? J'espère que c'est pas de la crème de bonheur de Butters, sinon c'est un peu bizarre. Ici, je peux y aller, parce que si je pouvais pas y aller avant, mais maintenant je peux. Alors, on va défoncer du coup ce sale professeur K.O. Ici on a des trucs, je sais pas. Vietnam. C'est le truc de qui là de... On est... Ah, c'est le truc de Jimbo. Ça doit être la caisse de Jimbo, c'est pour ça qu'il y a des trucs de Vietnam. Ok, d'accord, très bien. Alors, je peux monter là-dessus. Ça c'est bien fait. Je peux observer des trucs. Non, il faut que j'arrête le temps ici. Là j'ai quoi? Tenue, terre désolée, lunettes de soleil, terre désolée. Très bien. On va changer de skin. On veut que dans chaque épisode on change de skin. Du coup, je vais le faire. Je vais me mettre une tête de tank. Voilà. Aujourd'hui je serai un tank. Vêtements, armure de tank. Et les mains de tank. C'est celui-là ici. Voilà. Gant tank. Voilà, je suis maintenant un tank. Assez badass d'ailleurs. Et je vais arrêter le temps. Et il faut que je me dépêche du coup de courir. C'est là-bas. Il est là-bas le truc pour les désactiver. Allez, interagir. C'est bon. On a réussi. Alors, tout on va te péter. Je sais pas vraiment ce que ça va me permettre de faire, mais on va vous exploser. C'est bon. J'ai pas besoin de péter. Non, c'est bon, ça explose tout seul. Ah d'accord. Donc là j'ai pété ça, mais il fallait apparemment pas le faire. Du coup, ce que je vais faire, c'est faire ça comme ça. Je remonte dans le temps et j'imagine que je vais pouvoir la déplacer jusque là où on doit passer, c'est ça? Exactement, allez. Viens là, donc ouais, on a des... J'arrive pas à tout voir, là, ah si, il y a un tableau, enfin un tableau. Bah là déjà il y a un missile, il y a plein d'armes, et là il y a une photo de Jimbo et Ned. C'est mignon. Du coup, bah... On va faire exploser à coup de dynamite, à coup de TNT, ce truc, voilà. Et ben décidément, c'est assez facile. Allez, je veux défoncer K.O. K.O., tu ne ressortiras pas de cet épisode vivant. Ouf, toi, t'es carrément pas flippant, mais c'est bien fait. Quand même, je vois bien que je sais que les enfants s'amusent quand même comme ça à faire des bases secrètes et tout, quand ils sont enfants, moi-même je l'ai fait. Mais par contre, arriver à un tel niveau de base secrète, franchement, K.O., j'avoue, tu gères. Franchement, c'est pas mal. Allez, quoi, c'est pour se trouver. Viens là, mon pote, il est temps d'utiliser le moyen de transport le plus badass au monde, le prout mobile. Allez, Y. Exactement ce qu'on voulait. Non, mais je me doute que ton costume pue maintenant, mais bon, tant pis. Je peux descendre. Là, ou non, peut-être que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Peut-être qu'il faut que je passe par là-haut. Oui, voilà. Et là voilà, je peux faire ça et ça descend. Voilà, franchement le monde est bien fait. Alors je peux rentrer là, je vais y rentrer du coup. Ok, donc il y a deux caisses, celle-là avec la recette du réveil abyssal. Je sais pas s'il y a d'autres trucs qu'on peut ramasser ici. Non, je ne pense pas. Et puis il y a une autre caisse qu'on va aller récupérer. Alors ici, si je fais le P magique du glitch, là l'échelle va remonter. Franchement les choses sont bien faites, hein. Et là donc il y a un matelas. C'est vraiment le bordel par contre là dedans et toi tu me donnes quoi? Tu me donnes vrille faciale. Bon, c'était pas hyper utile non plus, mais ça permet d'avoir un peu plus de personnalisation, donc je ne dis pas non. Allez, frappe toi et on redescend. Étape suivante, pour l'instant c'est pas trop dur. Là on va avoir besoin de tout le shed du coup. Ici, qu'est-ce qu'on a? Pot de peinture, Chatterton. Il y avait un truc fragile là, je vais quand même aller le péter au cas où. Et là, est-ce qu'on peut appeler... est-ce qu'on peut appeler Stan ici? Est-ce qu'on peut? Non, on peut pas encore. Ok, très bien. Bah, on fera sûrement plus tard alors. Il est pas encore avec nous totalement, Stan, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe, Super Craig? Oh! Call Girl vient nous aider du coup. Call Girl! Cette image est badass.
J'avoue, elle est pas mal. Ouais. Ah ça j'ai enfin je l'ai vu, oui. Enfin je suis pas censé le voir. Mais bon. Oui. Calme-toi le coon. 56D. OK, merci. Et en plus j'ai un téléphone en cadeau comme ça. Ok, en fait toi t'es un peu un Deus Ex Machina, genre tu vas nous aider quand il y en a besoin. Et bah apparemment, coup, non, apparemment. Bon ok, on va trouver ça creepant. Et tout sera réglé. Là bon, y a pas grand chose non plus. Là où il y a un mignon. Là on peut acheter des trucs, donc j'imagine qu'il y aura peut-être un boss juste après. J'espère en tout cas, parce que moi ça m'irait bien. Chimichanga entamé. Ok. Ah, j'aime bien la musique, la musique un peu creepy qui est en fond. Qu'est-ce qui va se passer ici? Toujours rien. Alors, on peut monter. Ici, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas monter, là? Mais comment je fais pour monter? Pourquoi ça veut pas? Peut-être qu'il y a besoin de ça. Ah non, faut que j'utilise ça. Merci, merci. Vous pouviez l'envoyer avant. Je vais le mettre là, comme ça, ouais voilà, merci, c'était vrai, ça veut dire que c'est un beau move, quand même, le déplacement de carton, c'est un peu ma spécialité. Sérum de réanimation max, ah ça va nous être vachement utile par contre, donc à mon avis c'est le même, mais ce coup-ci on pourra avoir la vie remplie, parce qu'on n'a pas beaucoup de vie quand on se ressuscite. Oui, je sais, ah j'en ai encore besoin, ok, merci de m'aider avec tes petits conseils, je pensais que t'allais écarter le, ah oui, ben non. Parce que du coup, je pensais que t'allais enlever la lave, mais non, en fait, tu peux pas parce qu'il n'y a pas d'électricité à côté. Ok, ça c'est dit. Là, ici, par là, rien de... Sachez de nous japonaise, mignon hamster, ok. Ici, qu'avons-nous? Non, mais ça qui pend... Oh merde, de la lave, putain. On peut pas sortir, du coup. Et du coup... Oh, c'est le général Désolation. Oh putain, général Disarray. Ouais. Ça je vais faire attention, ouais. Ouais. Eh merde. Vamonos. Ok. Ça va être un combat de mini-boss, j'imagine. Ok, je suis chaud. Et donc non, ça clipant, du coup, il y a avec les flics, il n'est pas ici. Ah ouais, bah c'est bien le jeu d'enfant, pour le coup, le floor is lava, il l'a vraiment dit, hein. Il l'a dit littéralement mot pour mot. Alors Doogie, écoute, mais on va te défoncer ta race, hein, il y a un moment, Doogie, t'es casse-couille, donc voilà, tu vas avoir mal. Famonos mignon, il en envoie encore plus? Ah ouais, ok, il est déterminé, hein. Donc au lieu de faire ça, on devrait les toucher un par un quand même. Bon là je vais pas l'arrêter parce que ça fait pas trop de dégâts encore pour le moment. Qu'est-ce que je peux faire? Je pense que je vais faire ça. Comme ça. Alors là ça ferait 78. Et sûrement des dégâts à l'autre aussi. Toi 35. 69, ok, je vais faire ça. Bon, j'ai pas marché sur la lave, hein, par contre ça c'est cool. Par contre je pense que si je peux déplacer, si j'avais des dégâts... Ah bah non merde, j'ai marché sur la lave, du coup je crame. Ouais, mais je peux les pousser sur la lave, du coup ça veut dire. Mais là je brûle, ok. Ça c'est assez chiant. Mais moi-même, je peux brûler les autres grâce... Non, c'est pas ce que je voulais faire du tout, parce que j'avais pas vu qu'on pouvait pas les cramer. Non, j'aurais pas dû le faire, tant pis. En tout cas, toi, t'es toujours aussi inutile. Mais je peux faire des dégâts, toi. Piou, piou, piou. Allez, à plus. Ouais. Alors, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer de la lave? Je suis désolé, mais non. Je ne suis pas d'accord avec cela. Tu n'enverras pas de lave aujourd'hui. Et c'est tout, c'est tout. Alors, est-ce que... Non, je peux pas te faire de trucs de points de vie à toi. Alors, à toi, oui, allez. Des petits points de vie comme ça, histoire que tu descendes. J'aurais pu faire au général Désolation, mais je préfère d'abord buter tous les autres mignons. Même s'il y en a beaucoup. Ici, rien de spécial. Allez, qu'une. Viens m'aider. Là tu le ferais saigner. Là, tu ferais saigner le Mexicanos.
On va d'abord buter les gens normaux. Et on s'occupera du général Désolation après. Ah, ok, et comme avec... buter... Oh, micro-agression. Je vais pouvoir te buter, ça veut dire. Salut, mon bébé. Allez, c'était un plaisir. Donc, en bas, il y a une barre. Et dès que la barre s'épuise, du coup, il y a de la lave qui est balancée. Ok, donc il faut vraiment que je me dépêche, par contre. Du coup. Et là, ce que je vais faire... C'est que je vais utiliser mon pouvoir sur lui, comme ça il va crever. Voilà. En vrai j'aurais sûrement pas fait ça, mais vu que j'ai vu qu'il faut que je me. Qu'il faut bien que je me dépêche. Je vais. Voilà. Par exemple là, il y a de la lave qui va être envoyée. Allez, à plus. Piu piu piu. Ah, faut que je me focus sur le Ginger. Il dit que j'ai compris que les minions allaient jamais s'arrêter. Donc il faut vraiment que je me concentre sur Doogie en fait. Ok. Je comprends ça. Il va envoyer encore des minions, j'imagine. Oh merde, merde. Allez, écoute, toi, tu vas avoir mal, Général Désolation. Désolé, mais voilà, tu t'es en sang. Enfin, désolé, non, même pas désolé en fait. Hein. Je crois que les mini-boss étaient immunisés. Bah non. Les méca-minions. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Vamonos, mais c'est quoi ces trucs? Mais sérieusement, est-ce que je dois buter ces machins? Bah écoute, on va se mettre... Bon, on va remarcher dessus comme ça, et on va faire ça. Comme ça, bah ça vous fait des dégâts. Hein. Parce que le but c'est de faire des dégâts au méca mignon. Aïe! Ça sent la piqûre de rappel anti-tétanique. Voilà, par contre, Nuki, tu vas faire ta spé dès que possible. Hein. Parce que bon, ça va toujours pas te... Je peux aussi faire du mal au Général Désolation en fait. Si ça se trouve, si je bute Général Désolation, tout sera terminé. Mais à mon avis, non. À mon avis, je vais au moins devoir battre le méca mignon. Donc là, au moins, il y a des dégâts de choc. Ça, c'est cool. Et mon ultime est prête. Non, mais casse-toi, toi aussi. T'es chiant. Un boulot. Ouais, je me doute que les minions ne terminent jamais. Mais du coup, est-ce que je fais ça? Ça va faire quoi si je fais ça? Je peux faire ça du coup. Non, ça va être inutile du coup. Ça, c'est pas ouf. Ça soigne un allié. Non, je vais plutôt... non, je sais pas en fait. Est-ce que je soigne toi? Non, je vais aider Stan. Allez Stan, tu ne crèveras pas aujourd'hui. Ça c'est fait. Alors Général Désolation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas envoyer de la lave? Mais sur de quel côté? De ce côté-là? Mais... Oh merde! Non, Kyle, casse-toi! Il va falloir que je me casse très vite. Non, mais tu vas crever. Hein. Arrêtez tous de descendre. Il faut vite que je batte le plus vite possible cet enfoiré de Doogie. Voilà, bah là, il va pas crever, mais presque. Ah si, il est mort. Yes. On a réussi. On l'a battu. Ok, cool. Inscription diabolique, le sens rouquin. Et merde, et de la thune. Je suis pas content d'avoir le sens rouquin, parce que c'est pas un truc ouf, quoi, à avoir. T'es pas fier d'avoir le sens rouquin, par exemple. Même si je suis rouquin, techniquement. Hein. Allez, on a battu ça, comme ça. Les Lego. Merde. Les Lego se vident, par contre. Où est-ce qu'il est, Super Craig? Non, Craig. Non. Non, Super Craig, non. Non. Il ne peut pas mourir. C'est beau. Tu ne peux pas, Super Craig, non. Non, Super Craig, non. C'est horrible, il faut qu'on trouve un moyen. Casse-toi, Kyle. De quoi tu parles? Mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Est-ce que si je tire sur ça, c'est bien? Maintiens LT pour rester en mode inspection. Utilise L pour mettre la lave en surbrillance. Ah. Ici. Très bien. Je peux... Bah oui, mais je peux pas l'utiliser. Ah merde, faut que je reste à pied. Mais je peux pas l'utiliser, il n'y a pas de truc électrique. Si. Mais où est-ce qu'il y a un truc électrique?
Non mais pas toi. Sableuse. Comment je peux faire? Mon cul! Mon cul! Mais c'est bien sûr! Alors, utilise LT pour maîtriser l'intensité. Comme ça? Ah non, faut que je reste au milieu. D'accord. Waouh, par contre là ça a dû te faire mal, Craig, par contre là. Hein. Craig, tu es en vie! Ok. Ok, ok, c'est drôle, c'est drôle. Ok. Oui, maintenant on va pouvoir l'utiliser pour bouger de la lave à n'importe quel endroit, ça c'est cool. Donc on a ce petit FDP là. Attends, je vais lui péter dessus. Ah bon, désolé les potes hein. Allez, je vais me vous taper. Bon alors, par contre, il faut que je monte, c'est ça? Ah ah, on a eu ton général désolation, K.O. Ah ah, dommage pour toi. De ce côté-là, il n'y a rien de spécial. Je peux pas continuer? Non, bah on va monter là alors. Tu es dans la merde, K.O. J'arrive, te récupérer. Ok. Sur cette plateforme-là. Ok. Ouais, j'avoue. Franchement, je vais te casser la gueule, toi aussi. Je peux faire tomber ça. Je peux faire tomber ça, non? Ouais, je peux. Après, je peux faire tomber ça. Non, il faut que je fasse un, c'est ça? Allez, d'abord ça. Ensuite ça. Non, c'est bon. Désolé, mais... Tu vas devoir tomber, KO. Enfin, mignon du KO. On peut terminer ça. Allez, on va lui péter dessus. Et peut-être que ça va cramer le bois aussi, ce serait bien. Allez. T'inquiète pas, je vais trouver. Avec le pouvoir de mon P. Allez. Il faut pas que ce soit trop fort non plus. Il faut que je sois où, moi? Ici? Allez. Allez, c'était beau. C'était beau. Ah, et les petits bruits sont toujours aussi merveilleux. En plus, t'as pas besoin de repartir et aussi très très bien. Ah bah non, du coup, je peux monter, là. Là, j'escalade. Non, parce que là... quoi? Je peux pas faire ça? Il faut que je fasse directement depuis en bas, alors ça veut dire ça, j'ai oublié de le faire. Donc toi, tu le pètes. Oh, désolé, salaud là, t'étais chiant, on m'a demandé de te buter, bah je t'ai buté. Salut là, j'ai aucune pitié pour toi. Allez, on peut voler, donc ici il y a un saut. Ça c'est le genre d'endroit où il y aura peut-être des yaoi et on pourra plus revenir pour les récupérer plus tard, donc il faut les récupérer maintenant à mon avis, comme les Chim Pokémon dans le premier jeu. On va interagir et du coup on va s'envoler. Je sais pas jusqu'où on va aller, mais on y va. Allez, c'est l'heure de péter. Oui. J'avoue, c'est beau. Ça aurait fait une bonne miniature s'il n'y avait pas déjà le truc de Général Désolation et de celui et l'image de Wendy aussi. Ok. Merci, à plus. Alors, par là. Je peux pas péter tout ça, sachet de nouilles japonaise, ok. Là, on a canette de speed, des jumelles. D'accord, très bien. Est-ce qu'on a des choses plus intéressantes que ça? Exemplaire abîmé de mange-pli et froute. Et la même chose. Ici. Antidote enrichi. Ça, c'est bien. Est-ce qu'on va réussir à monter là-haut? Non, on n'a rien à faire en montant là. Non, j'ai pas l'impression. On va descendre. Interagir. Allez, descendons. Peut-être le chaos sera là directement. Ah ok, faut que j'aille par là. Donc là on y était déjà, sauf qu'on pouvait pas on pouvait pas annuler la lave. Ouais, je vais appeler ton petit copain Wendy et comme ça on pourra, dans son pouvoir de mon cul, tout ira bien. Pouvoir de mon cul. J'ai toujours un peu honte quand je l'appelle pour faire ça, mais vraiment, alors. Et toi? Allez, faisons comme ça. C'est vraiment, voilà, mais c'est bien parce que encore une fois on pourra faire toute la ville.
On pourra faire toute la ville en enlevant la lave, et ça c'est cool. Solutionneur d'énigmes, on gagne des trucs. Kit de roquette de chaos. Col d'Edgar, ça c'est pas mal. Là, on a des paquets de trucs. Je pense qu'on va bientôt voir le chaos qu'on voyait dans les... dans des trailers. Si vous vous souvenez pas de quel chaos je parle, à mon avis, ça va être comme ça qu'on va le combattre en boss final. Et c'est assez, ça va être assez stylé. Sa forme est assez stylée. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, c'est le truc du général, de Captain Constat, le héros des temps modernes, Captain Insight en VO. Là, en haut, il y a son logo, il y a son costume. Là, il y a une photo de lui avec ses trois mascottes, Ouftou, Bouftou et Ouftoulou, un truc comme ça. Et après, ouais, donc il y a leur cage. Il y a un truc, est-ce que je peux... C'est parce que c'est jaune, non, je peux rien faire avec, d'accord. Là, il y a un truc que je peux ramasser, c'est quoi? Échantillon de marée noire BP, ouais. Enfin, maintenant, c'est DP, parce que c'est devenu la désolée pétroleum, donc ouais. Et là, il va falloir que j'arrête le temps, déjà. Mais je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Est-ce que je pense qu'il va falloir que j'aille directement voir ce qu'il y a dans le coffre. Mais il faut pas que j'aille... je pense que je peux pas désactiver l'électricité. Triptyque de la réflexion. Ah oui, avec Ouftou, Bouftou et Ouftoulou là. Ça c'est cool. Non, il y a vraiment aucun endroit où je pourrais l'annuler. D'accord, bah au moins. Il n'y a pas de général d'isolation dans ce jeu. Enfin, général d'isolation, si. Il n'y a pas... Ah ok, on peut péter ça. Il n'y a pas Captain Constat dans le jeu. Mais au moins, on a des références à lui. On peut péter plein de trucs. Hein. Au moins, il y a des références à lui. Ça, c'est cool. Je sais pas s'il y a vraiment des trucs que je peux péter là-dedans. Donc, il y a des références à Captain Constat. C'est déjà ça. Ici, si je fais ça, ça fait quoi? Rien de spécial. Mais donc, au moins... Non, rien de spécial. Mais... au moins on aura vu... enfin il y aura des références à lui, voilà ce que je voulais dire, il y a des références à lui, même si on le voit pas, et c'est déjà ça. Qu'est-ce qui se trame à côté? Alors là, il y a quoi? Chasseur d'artefacts enthousiaste. Ah oui, je vais regarder si j'ai pas d'autres artefacts de meilleure qualité maintenant. Alors j'ai toujours pas débloqué... est-ce que les derniers trucs que j'avais, ils augmentent encore plus ma cervelle? Peut-être le truc de Timothy. Donc lui c'était 40%, lui c'est 0. Je suis Timothy, c'est 25. Lui, c'est... et lui, c'est quoi? C'est plus 10%. Non, mais j'aime bien lui, parce que plus 40%, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Là, j'ai pas mieux que 50. Si. J'ai lui à 60. Bah, je vais utiliser... Bah, quitte à en utiliser un, je vais utiliser Ouftou, Bouftou et Ouftoulou, hein, bien sûr. Eux. Des copains fidèles du Captain Insight. Bah, vous auriez au moins pu traduire ça par Captain Constat, mais bon, d'accord. Après, je peux prendre le siphon de bon sens et l'exécuteur sans fin ou l'inscription diabolique. Et ben, on va prendre l'exécuteur sans fin, ça me semble pas mal. Là, est-ce qu'on a mieux que ça? Oui, oui, on en a un. C'est le collecteur de fogne. Donc, c'est cool. Et mieux que ça, on a toujours pas, par contre. Mieux que ça, on peut pas faire. Attends, ça fait qu'on a combien, là? On a 267 de pouvoir d'artefact. Mais je veux en crafter aussi, on peut en crafter, et peut-être que ça va me rendre plus fort aussi. Par exemple, cet artefact-là, il ferait du 70. On va le créer. On va le créer, hein, parce qu'il est pas mal. Il ferait du 58, c'est pas ouf. 58, mais moi, est-ce qu'il y a des artefacts légendaires? Épiques? Non, ça s'appelle légendaire, je pense. Enfin, c'est les meilleurs, là. Plus 20... Non, je sais pas, j'ai pas l'impression. Après, les autres, ils ont pas l'air très forts, comme... comme truc, bah on va prendre, on va faire celui-là, le réveil abyssal par exemple. Je sais pas si c'est mieux que ce qu'on a déjà du coup, artefact. Alors, est-ce que, à mon avis, c'est pas dans les trucs ici? Ouais, non, il n'y a pas. Là, on a mieux que 69, ouais, on a 70, donc le 68 là, on va le remplacer par le 70, donc ça fait un point de plus, mais un point reste un point. Et là, non, bah on a pris le réveil qui est du coup moins bien, mais ouais, donc c'est déjà ça. On va continuer. Et je pense que je vais pas tarder à m'arrêter parce que j'ai pas envie que l'épisode dure. J'ai pas envie que l'épisode dure encore plus longtemps que ce qui durait à la base. Enfin, qui dure beaucoup trop longtemps comme ça dans cet épisode-là. Cet épisode-là sera l'épisode où on se fait Captain.
Comment on se fait général désolation et l'épisode prochain c'est sûr on se fera KO. Moi j'aimerais bien faire un truc comme ça. Donc dans celui-là, on va défoncer. D'abord on va défoncer Mignon et je pense qu'on va s'arrêter après. Alors, Y, comme ça toi on va te geler. Et on pourra s'attaquer au plus nul pendant ce temps-là. Ça me semble pas mal. Si vous voulez, moi aussi je peux vous proposer un trabarro. Hein, je peux très bien. Hein. Alors. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, donc on va dire que non. Combien on devie ces gens-là? Non, bah alors, je vais faire sur lui, parce que dans tous les cas, j'arriverai pas à les buter. J'arriverai pas à les buter, donc je vais plutôt faire des dégâts à ces gens-là qui ont pas mal de vie. Donc ça ira bien mieux. Bon, ça c'est chiant par contre. Casse-toi, PD. Exactement. Je vais du coup te... Voilà, te faire mes griffes dans ta gueule, parce que t'as pas été très gentil. Salut, poteau. Ensuite... Oh non, mais arrêtez de tout saler contre le clown, là, c'est quoi le problème? Pourquoi tout le monde est contre le clown? Ok. Donc on va continuer. Du coup, Toolshed, toi, ce que tu vas faire... je pense que tu vas faire ça. Comme ça, tu fais des dégâts un peu... au de ceux qui sont nuls. Non, à eux. Comme ça, il y en a un qui crève, et l'autre qui va commencer à avoir des dégâts. Et un de moins, c'est déjà cool. Allez, délire. Toi... Oh, no me gusta ser frio. Et ouais, c'est triste. Hein. Toi, tu vas me faire mal, par contre. Aïe. Muy bizarre. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais pourquoi... vous pouvez me brûler, mais pas moi. Moi, je peux pas vous brûler. Oh là là. Je vais mettre un laser sur toi du coup. Ouais non mais du coup ce serait pas assez fort. C'est nul, c'est pas assez fort pour vous buter. Je vais faire sur toi. Comme ça toi après. Parce que l'autre il lui restera quasiment plus de points de vie. Et je suis sûr que je peux trouver une attaque genre celle du Kun qui pourrait faire plus mal. Et du coup ce serait bien. Si je fais ça. Non ça va te buter comme ça, mais bon. Pas non plus ce que je veux. Je vais faire... Ah là là. Bonne question. Bah, je vais faire ça. Comme ça, j'en attaque deux. Dont un qui meurt. Donc ça, j'aime bien. A plus. Voilà. Je pense que le Kun peut tuer un des trois là-bas. Celui qui est en haut, je pense que le Kun peut le tuer. Celui qui va m'attaquer, d'ailleurs. Ah non, non, c'est pas celui qui va m'attaquer. Toi, tu vas me faire mal. Non, 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 me tue pas. Non. Et, ah c'est bon, il m'a pas tué, parce que j'ai bien géré. Faire ça serait pas mal, parce que ça vous ferait mal à tous. Du coup, ouais, parce qu'après, si je veux que ce soit le new kid qui le fasse, il faudrait que j'attende que tous les autres passent, donc ouais, je vais faire ça. Allez, Kun, 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 et c'est l'heure de griffa. A plus. Oui, oui, ça fait mal. C'est vrai. Toi, tu vas essayer de me faire mal, mais bon, tu vas mourir de dégâts. Non, 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 t'es pas une chaos bitch. Hein. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Si je fais de ce côté-là, tu meurs. De ce côté-là, tu meurs pas. Bah écoutez, on va en faire mourir un. Hein. Comme ça, ouais, voilà. Comme ça, après, il y a juste le Mexicain qui va attaquer. Et ce sera fait. Voilà, parce que lui il allait attaquer juste après, donc au moins c'est cool. Toi tu vas faire juste très mal. Ah bah voilà, tu as tué Kyle, carrément, voilà, à ce point là. T'es un connard à ce point là. Alors là je vais être obligé de me soigner par contre, hein. Je vais me mettre là-bas. Et je vais... Casadia spécial, constitue une certaine partie de la vie. Je peux pas faire antidote qui me... Antidote enrichi, élimine les effets négatifs, octroie régénération accrue au début du tour de la cible. Je vais faire ça, comme ça... Je ne suis plus en train de cramer. Et j'ai régénération. Ça, c'est cool. Allez. Par contre, toi, tu vas me... Non, tu vas me buter alors que je viens d'utiliser un objet. Eh, t'es vraiment FDP, hein. T'es vraiment FDP. Si je fais ça, tu crèves, mais t'as plus beaucoup de vie, donc on s'en fout. Toi, tu crèves pas. Toi, tu crèves. Toi, tu vis. Toi, tu vis. Toi, tu crèves. Et bah, pour le coup, toi, tu crèves. Salut. Et non. Eh ouais. C'est pas fini. Toi, tu vas attaquer
tu vas attaquer Stan, mais tu vas crever de dégâts. Voilà, de ça exactement. Moi je peux faire ça, ça te ferait 37 points. Ça, ça t'en ferait 73, donc c'est beaucoup mieux. Donc je vais faire ça. A plus. Mais bon, ils nous ont quand même bien buté, hein. ils nous ont fait mal. Ces bâtards nous ont bien fait mal quand même. Bute pas tout le shed, non, tu vas le buter, bon. Ok. Et là t'as mal du coup. Non, bah si je fais ça, ça va te faire mal, mais ça va pas te buter. Donc, pour être sûr, je me mets là. Ça c'est bien parce qu'on joue la sérum de réanimation. Allez, on va faire ça quand même. Mais il faudra qu'on en rachète sur le New Kid. Allez, tu m'en dois une. C'est vrai. C'est vrai. Allez, comme ça. Alors, il faut espérer qu'il n'arrive pas à m'atteindre là. Parce que s'il me touche, après il me tue là. Ah non, c'est bon. Eh bah, écoute, très cher. Très cher, tu vas être gelé. Tout simplement. Allez. Tu m'as fait chier. Mais maintenant, je vous bats. Eh oui. C'est gagné. Bon. Du coup, on va arrêter la vidéo là. Ça me semble être une bonne idée. On va récupérer cela. Et on continuera. Recette glyphe inferno. Ok. Et du coup, on reviendra là-dessus dans le prochain épisode qui sortira demain. Et on niquera Captain Chaos, Professeur Chaos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, c'était Mike Shonen. Bye tout le monde. Salut. Et à demain.